Turn off the light. Le grand. Nous avons racheté une maison de 350 mètres carrés sur 3000 mètres carrés de terrain. C'est une maison qui était quasiment abandonnée, qui a été construite dans les années 80. Le projet est né d'une envie de la rénover. On est parti sur ce projet parce que l'emplacement à quelques minutes du centre Croisette à Cannes nous paraissait intéressant. Étant donné la superficie habitable, le nombre de pièces, il nous paraissait essentiel de pouvoir contrôler, que ce soit à distance ou sur place, à partir d'une tablette tactile, le réseau complet en fait de la maison, afin d'éviter de se déplacer sur chaque pièce. C'est une tablette tactile qui est très simple d'utilisation. Dans la fonction éclairage, on peut commander plusieurs points lumineux. On a des retours d'état devant le descriptif de la lumière. On a aussi un arrêt total. Voilà, pour exemple. Et là, on rallume tout. Donc, c'est vraiment un confort pour le client. On a la fonction de vidéophonie. Donc là, ici, on a une caméra qui est juste au-dessus de la dalle tactile. On a aussi, dans la fonction multimédia, la possibilité d'aller faire des recherches soit par le navigateur Internet intégré, soit de rajouter des RSS, ce qui nous permet d'avoir des news, la météo. Donc, d'utiliser ce système pour simplifier quelque part la vie à l'intérieur de la maison nous paraissait réellement important. La société d'installation avait déjà travaillé avec nous sur d'autres projets, donc il était évident qu'on devait renouveler le contrat avec eux tout en montant en gamme et en prestations. On a pris le système Legrand parce que le propriétaire voulait tout en kaolin et par rapport à toutes ses demandes, on était obligé de passer en domotique, donc le maillot était obligatoire. Ça nous a permis de pouvoir faire une gestion étage par étage, une gestion par ambiance, une gestion par déco. Pour ce type de projet, on ne peut pas les réaliser seul, donc on fait un partenariat quasiment à l'année. On a retrouvé dans notre association une grande complémentarité, ce qui nous a permis d'échanger pas mal d'informations. Sur une installation, on a toujours besoin d'un soutien, soit technique, moral et surtout en termes d'évolution. On a toujours des idées, on les croise. Le propriétaire est content, nous sommes contents de l'installation. Tout le monde est gagnant, quoi. Grâce au système IOM, tout est évolutif dans la maison, quoi. Le Grand nous paraissait la société la plus compétitive au niveau maîtrise, expérience du système électrique qu'on attendait dans cette maison. Qui plus est une société française, ça nous a motivés et en termes de choix de matériaux, on avait vraiment une grande confiance en eux pour aller au bout de ce projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'éclairage au sein d'une maison, que ce soit les LED, que ce soit les lumières indirectes, les up and down qu'il y a sur la façade extérieure également, sont d'autant des nouvelles innovations, on va dire, qui permettent de mettre en avant la qualité du travail et d'embellir bien entendu la maison de jour comme de nuit. Turn off the light.